Salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo compte rendu plus achat mensuel pour le mois de mai. Donc, comme le mois dernier, beaucoup de jeux. J'en ai à peu près une quarantaine en 39 en version physique et une en démat. Donc, comme d'habitude, on va commencer par de la Sony et puis Microsoft à la fin. Donc, on va commencer par de la PS1. Donc je commence à collectionner, donc j'en ai déjà deux du mois dernier, là j'en ai encore pris deux, et c'est pas des moins. Donc le premier jeu c'est Dracula 2, oula, oh, pop pop pop, voilà, Dracula 2 pour, ah, par contre au niveau d'éclairage c'est pas terrible, pour je sais plus combien, pour 3 €. Donc Dracula 2, je suis un petit fan de jeux de vampires, je me suis dit, allez, la jaquette elle me tâtait bien. Bon après, les éditeurs, c'est Wanadoo, Canal+, ça risque de pas être bon. Le deuxième jeu est Duke Nukem Land of Babes pour 3 €. Donc moi j'ai bien aimé les Duke Nukem, donc celui-là c'est un titre que j'ai jamais fait à l'époque, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus ça vaut pas grand chose. Là pour les jeux PS1 j'en ai eu que pour 6 €, donc ça c'est vrai que ça vaut le coup. Donc après, alors ça c'était les prochains jeux que je vais vous montrer, c'était donc c'est uniquement de la PS2. Ça a été en enchère sur eBay. J'ai eu tous pour 17 €. Donc vous allez voir les titres. Il y en a qui sont assez cotés bizarrement. Enfin si je dis pas de conneries. Je crois qu'il y en a deux, trois qui sont bien cotés. Et c'est vrai que j'ai eu pour 17 €, ça valait le coup. Donc, premier jeu, Devil May Cry. Pour, bah, je sais pas justement. J'ai eu le tout pour 17 €. Bon, attendez, on va descendre un peu l'éclairage parce que on voit pas. Voilà. On voit pas. Voilà, est-ce que ça brille là? Voilà, ça brille moins. Ça brille plus du tout. Alors, Devil May Cry pour je sais plus quoi, combien. Donc, c'est un titre que, voilà, qui me restait à avoir dans ma collection de PS2, parce que j'ai le 2 et le 3 préalablement. Donc là, j'ai trouvé le premier. Alors, je sais pas si la boîte, si c'est vraiment sa boîte, parce que c'est vrai que ça va être mon. Ah non, j'ai d'autres jeux qui ont une boîte noire. Bah non, ok. Ensuite, un WRC3. WRC3 FIA World Rally Championship. Donc moi j'adore les jeux de rallye, donc j'ai pas hésité sur l'occasion. Et comme j'avais vu que pendant l'enchère, je l'avais pas celui-ci. J'avais le WRC2, le 1, il manque encore le 4 à voir. Et puis un autre. Alors celui-ci, je l'avais découvert dans une vidéo de Kirby 54 dernièrement. Je lui ai dit tiens. Je savais pas que ça existait ce style de jeu là, sauf que quand j'ai pris le jeu dernièrement, je suis rendu compte que c'était un jeu en anglais, donc j'ai pas vu que c'était une version française. Donc je dis c'est pas grave, c'est quand même un jeu assez rare à trouver. Et puis je dis allez, on va le prendre, mais c'est vrai que j'ai pas prêté attention parce que là il est que en anglais, donc bon, ça va pas me gêner, mais bon, c'est chiant, j'aurais bien voulu connaître un peu l'histoire, mais bon, tant pis. Donc il s'agit de Predator. Donc Concrete Jungle. Donc je suis un petit peu déçu quand même de ne pas l'avoir en version française. Mais bon. Je pense que ça. Si j'ai réussi à en trouver un, je devrais en trouver un autre. En français, bien entendu. Voilà. Là, c'est. C'est un de mes séries fétiches. Hein. Donc j'ai eu pour. Alors celui-là, je me rappelle du prix. 1,60 €. Resident Evil Code Veronica X. Alors celui-ci c'était un très bon titre. Mais alors, on contrôle Claire, Chris et tout, bon la famille bien entendu. Mais je sais pas. Ah oui, il le mettait à 10,50 €. Parce que là, je peux avoir les prix qu'il avait mis. Bah il avait. Le mec qui mettait ces enchères là, c'est un magasin de jeuxvideo.fr. Donc voilà, j'espère que ce magasin ne fermera pas, parce que si vous êtes en courant, jeuxvideo.fr ferme ses portes prochainement. Donc je trouve ça assez navrant. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que. Ouais, j'espère que jeuxvideo. Que ce magasin-là ne fermera pas, parce qu'il fait quand même des bons prix. Et là, je suis en train de regarder les prix qu'il avait effectués. Il a quand même fait des gros rabais. Alors je sais pas trop pourquoi il a fait ces énormes rabais. Est-ce que c'est pour dire qu'il va
bientôt mettre la clé sous la porte. Franchement, j'espère pas parce que c'est vrai que là, les prix que j'ai eus sont vraiment affolants, quoi. Franchement, ils mettaient tout à 1,60€ en enchère, puis après, vous en serrez. Je crois que le plus cher que j'ai eu, ce sera pour le prochain, enfin, l'avant-dernier, le dernier, pardon, de PS2 que j'ai acheté chez lui. Donc voilà, Resident Evil Connect, c'était quand même un très bon jeu. Et celui-là, je suis un peu étonné. Il est plus coté, si je dis pas de conneries, il est plus coté sur Dreamcast et GameCube. Donc GameCube, je l'ai aussi. Et c'est vrai que sur PS2, il n'est pas si coté que ça. C'est dommage parce que je lui dis, tiens, ça devait être sur bien coté, mais non, finalement, non. Donc dernièrement, j'avais fini cette série de jeux en playthrough. Et là, j'ai réussi à trouver Mortal Kombat Mystification. Donc c'est le cinquième opus. Excusez-moi, donc je ne l'ai jamais fait. Donc j'aimerais bien savoir de quoi ça parle. Juste après le fameux épisode Deadly Alliance. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, les Mortal Kombat ont toujours été assez bons dans l'ensemble. Je crois que j'en ai pas fait tant que ça des Mortal Kombat. Il manque celui-ci que j'ai pas fait, l'Armageddon, Shaolin Monk et DC Universe que j'ai pas fait. Et celui-ci, alors j'étais assez étonné aussi de le trouver. Il est assez rare, très très rare à trouver. Franchement, quand je l'ai vu en enchère. Puis, par contre, c'est vrai qu'il a été. Il est monté assez haut quand même. C'est le plus cher que j'ai eu dans le lot. Mais bon, c'est très très rare de le voir. C'est la première fois que je le vois. Et en plus, la boîte est super nickel. Franchement, ouais, il le vendait à 8,90 hein, préalablement. Donc je l'ai eu 5,60€. Donc ça va. J'ai perds pas trop d'argent. Donc il s'agit de Maximo Army of Zin. Donc je ne connais pas, j'ai en entendu que du bien de ce jeu-là et j'ai très très hâte d'essayer parce que c'est vrai que ça a l'air d'être pas mal. Donc on continue sur de la PS2 uniquement sur des caches. Donc alors pour 4 euros, Turok Evolution. Ah oui, vous allez dire oh, putain, t'as encore pris un jeu de merde. Oui, mais celui-ci j'avais quand même bien kiffé à l'époque de le faire sur GameCube. Et c'était mon premier jeu que je faisais uniquement en se basant sur les dinosaures. Et c'est vrai que après l'IA était pourrie, ça c'est vrai. Le jeu était assez corsé quand même, hein, parce que je me souvenais avant, bon, c'était à la bonne vieille époque quand je le faisais sur GameCube. J'avais utilisé les cheat codes parce que je me suis dit putain, mais c'est trop dur quoi. C'est affolant parce que les ennemis ne vous ratent quasiment pas. Mais l'IA est très mauvaise, ça c'est assez particulier. Mais après, une fois, lors de ma dernière partie, je l'ai fait, je l'ai dû le finir en bouillant 5-6 fois. Et lors de ma dernière partie, je dis, allez hop, on va pas utiliser de cheat code, et puis j'y suis arrivé facilement. Mais bon, ça c'était la bonne vieille époque, voilà, que j'étais pas très très bon dans le jeu vidéo. Alors là aussi, je suis fan de cette série-là, étant jeune, et puis je les ai vus, ces deux-là. Franchement, nickel! Un état franchement quasiment neuf quoi. J'étais sur le cul. Et en plus, vu les prix, ils sont vraiment pas chers. Donc j'ai eu Yu-Gi-Oh! GX Tag, je sais pas quoi, Tag. Non, je sais pas. Pour 8 euros. Donc je sais pas combien ils cotent ceux-là, mais et puis le suivant, Yu-Gi-Oh! Capsule Flamme, non, je sais plus. Capsule Monster Colisse. Donc pour 10 euros. Alors celui-là, ah oui. Par contre, celui-ci, j'ai mis le prix, ça c'est vrai. J'ai mis 10 euros pour ce prix-là. Mais c'est vraiment la première fois que je vois ces deux jeux Yu-Gi-Oh! Je lui dis, vaut mieux pas passer sa chance parce que ça peut être très recherché, surtout ceux qui sont fans de Yu-Gi-Oh! Et franchement, moi j'étais. Et franchement, j'ai pas hésité. Je lui ai dit, une fois que j'étais en cage, j'ai dit, ah, ça me ferait chier de ne pas le prendre, le suis 10 euros. J'ai hop, je suis retourné et puis je l'ai pris. Et puis ça a même étonné la vendeuse. Donc après, on passe sur de la PS3. Alors c'était dans un cache dans ma ville. J'ai eu ces deux-là pour 18 euros. Donc voilà, 18 euros. Alors Infamous 2. Donc j'ai fait le premier, jamais fini. Mais celui-ci, on me dit que du bien. Et ça a l'air d'être un énorme monde ouvert. Et puis celui-ci, c'est pareil, je connais pas du tout. Et je crois que je l'avais vu sur une vidéo de Kirby, encore une fois. Il s'agit de Knight Contact.
Donc, ah putain, ça fait chier l'éclairage. Et Knight Contact. Donc, je sais pas ce que ça doit être comme style de jeu. Ouais, ça ressemble un peu à un RPG. Ah, c'est uniquement en VO sous-titré. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, je m'en fous. C'est bien des fois des jeux qu'on ait que des jeux VO sous-titrés. Parce que des fois, les voix françaises, elles sont un peu pourra. Donc, on passe sur de la première Xbox. Donc, pour 5 euros, Die Hard Vendetta. Donc, on va bien voir ce que ça donnait. C'est vrai que j'en ai tellement entendu parler de ce jeu-là aussi. Je devais le faire à l'époque sur GameCube, mais j'ai jamais eu l'audace de le faire. Ensuite, Blade 2, donc j'ai pour 4 euros. Donc j'avais bien aimé le Blade 2 au cinéma. Et je sais pas ce que ça va donner, le jeu vidéo. Je sais pas ce que ça a l'air d'être. Alors je crois que tous mes jeux sont complets d'ailleurs. Je suis en train d'ouvrir mes boîtes, mais non, ils sont tous complets. Ensuite, enfin, j'ai réussi à le retrouver. Ce jeu-là. Il s'agit du premier Halo en version classique pour 5 euros. Donc c'est dommage, j'aurais préféré l'avoir en version non classique. Mais bon, ça reste quand même le meilleur épisode de cette série de jeux vidéo. Et franchement, c'est un titre que je vous conseille absolument. On pouvait faire sur 360 pour la version anniversaire. Et sur la One, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est le meilleur opus de cette série, je rappelle. Mais c'est vraiment très très bon. Après, je suis en ce moment. En ce moment, je suis en train de refaire Wolfenstein, donc le Wolfenstein sur la One que je vous présenterai bien tout à l'heure. Merde, il est en dessous de la PS2. Donc là, il s'agit de Return to Castle Wolfenstein pour 4 euros. Donc je sais pas si c'est le premier. Non, c'est le deuxième. Deux ou troisième, je sais plus. Le premier, c'était Wolfenstein 3D, si je dis pas de conneries. Après, ça doit être celui-ci. Je sais plus si c'est un add-on ou pas. Non, je sais plus. Ah, on peut défoncer Himmler. Oh putain, ça va être bon ça. Voilà. Ensuite, pour 2 euros, un Rainbow Six Lockdown. On sait jamais, comme on dit. Ouais, bon, tant que là aussi, hein, c'est du classique. Hein. Après, alors ça il me cache le titre du jeu. Ça me fait bien chier. Bon, au pire, je vais voir là. Alors, c'est un DTM Race Driver 3 pour 2 euros. Donc, c'est un jeu de bagnole. Ah, oui, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Merde, c'est encore un truc en anglais. Ah non? Eh? Ah si, si, c'est en français. Ouais, c'est un titre. Ah oui, il y a quand même pas mal de véhicules. Il y a de la Formule 1. Des trucs, des véhicules WRC. Ah, ça peut être pas mal. Pour 2 euros aussi. Non, c'est 3. Merde, il y a du corps du scotch. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai même pas vu si c'était complet. Bon, voilà. Alors, ouf, Splinter Cell Chaos Theory pour 2 euros. Donc un très bon épisode après la déception de Pandora Tomorrow. J'ai bien aimé celui-ci. C'est le fait qu'on nous donne. Enfin, si vous faites trop remarquer, c'était plus de game over. Vous pouvez continuer à faire votre à vous infiltrer quand même. Sauf que vous perdez des points, je crois, ou je sais plus comment ça se joue. Comment ça je jouais, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de game over une fois que vous faites trois alarmes, c'était quand même un plus. Ensuite, bien entendu, je devais pas y passer, hein, le fameux Max Payne 2 pour 2 euros. Alors celui-ci était très bon, très très bon. Alors, je l'ai fait qu'une fois sur PC à l'époque, mais ça m'a bien marqué, moins que le premier, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, je crois que c'est le deuxième opus, j'ai fait qu'une fois, comme je vous le disais. Et puis trois, je l'ai fini un paquet de fois comme le premier. Yes, c'est vrai que c'est assez bizarre. Je finisse autant le 3 que le 2. Pff, pourtant, le 2 était aussi bon que le troisième opus. Donc voilà. Ah, on va passer sur le gros, comme d'habitude. Sur de la 360. Donc, pour 7 euros. Alors, certes, j'ai mis le prix. Je pense que j'aurais dû attendre un petit peu parce que c'est quand même un titre qui m'a bien bien déçu lorsqu'il est sorti. J'ai trouvé que c'était un gros foutage de gueule lorsque j'ai pris le Day One. Hein. Puis j'avais fait le guide du jeu sur le site Success 360 et je vous fais des vidéos sur lui en ce moment. Donc faut qu'il y ait une vidéo, il y a une vidéo en pression qui viendra parce que en ce moment j'ai pas eu trop le temps de la faire. Donc il s'agit de Alien Colonial Marines. Ah alors, pour 7 euros, excusez-moi pour la grimace. Donc, un jeu bien pourri, mais je lui dis, de toute façon, moi j'ai envie de collectionner le tout. Que ce soit du très bon,
du moyen et du très décevant. Ensuite, alors ça m'a mis une claque à l'époque quand je l'avais fait. Je dis putain, mais qu'est-ce qui est bon? Pourtant, je suis pas fan de ce genre de délire-là, de quasiment QTE, scène cinématique à fond et peu de gameplay. Mais celui-ci m'a envoûté, que ce soit sur sa bande-son, son scénar, le fait de tout détruire. Franchement, c'était quelque chose ce jeu-là. J'étais sur le cul quand je l'ai fait. Et bon, là, j'ai retrouvé pour moi. J'ai encore mis le même prix que Alien. Il s'agit de Azura's Wars. Ça, c'était du très très bon. C'est dommage que j'ai pas pu le mettre dans mon top 20 parce qu'il aurait figuré dessus. Mais par contre, le bas qui blesse, c'est le DLC. C'est ce fameux DLC qui est la vraie fin du jeu. Alors ça, j'ai pas trouvé ça terrible, franchement. Oh, j'avais déjà vu ça, ce style de truc-là, d'avoir la fin en DLC seulement. Il y avait Dead Space 3 qui le faisait. Et il y en avait d'autres, mais je sais plus les titres. Mais là, j'ai trouvé ça quand même honteux parce que la fin est quand même magnifique, franchement, une bonne fin. Je vous en dis pas plus, mais c'était quand même une excellente fin. J'en ai eu même la larme aux yeux, si vous voulez. Non, c'était quand même un très très bon titre, franchement. Et toute la colère qu'a le perso, franchement, non, c'est vraiment impressionnant. Franchement, j'étais sur le cul. Les développeurs, c'est ceux qui font les quoi déjà? Les Naruto. Donc les Naruto, je suis pas fan de. Alors par contre, les Naruto, je suis pas fan du tout. Hein, mais celui-ci, très bon. Alors là, c'est le premier Call of Juarez pour 6 euros. Alors celui-ci, il est assez rare aussi à trouver. Mais c'est vrai que ouais, 6 euros, ça vaut son prix. Il est très bon, mais c'est vrai que le deuxième opus était encore meilleur. Alors là. J'ai fait le premier niveau du jeu. Je peux vous dire que c'est franchement une grosse merde. J'avais entendu parler de ce jeu-là par mes collègues de Succès à 360. Et puis, bien entendu, les tests qui ont été attribués. Je suis dit, alors allez, on va attendre un petit peu. Il a même pas un an le jeu encore. Hein. C'est pour vous dire. Et puis, j'ai fait le premier niveau. Je lui dis. Oh. Oh, la grosse dope, quoi. Non, mais franchement. Faire ça, ce style de jeu-là en 2014, c'est une honte, quoi. Franchement, je crois que les développeurs, c'est ceux qui ont développé les Sniper Ghost Warrior. Ghost Warrior, oui, c'est ça. Et franchement, non. C'était le moteur de CryEngine, hein, de Crysis, bien entendu. Et graphiquement, il est super moche. Non, mais c'est du gros délire, franchement. Donc voilà, je vais vous présenter. Il s'agit de Enemy Front. 11 euros! Putain! Non, je sais pas rigolo. Donc, voilà, ouais, on va y passer. Donc, alors, un jeu que je connais pas du tout. Lorsque j'ai fait une session live dernièrement, j'ai parlé de ce jeu-là avec qui je jouais pour une session succès. Il m'en a parlé. Il m'a dit, je sais pas si ça va te plaire, mais essaye quand même. Et après, quand j'ai vu que c'était History, qui était l'éditeur. Donc History, c'est ceux qui sont la chaîne câblée des États-Unis, excusez-moi, qui développe les Vikings. Donc je suis un petit peu en ce moment, mais pas trop. Et donc je me suis assez étonné de voir History dessus. J'ai dit, allez, on va peut-être prendre, on va voir ce que ça a donné. Puis bon, j'adore les jeux médiévaux, plus ça se passe pendant la guerre des Cent Ans. Donc la guerre des Cent Ans, normalement on devrait voir Jeanne d'Arc. Donc il s'agit de Great Battle Medieval pour 4 euros. Donc voilà. Bon, on verra ce que ça va donner. Ça a l'air d'être un jeu de stratège, de ce que j'ai vu. Si aussi, alors c'est vrai que là, pour ce mois-ci, il n'y aura pas beaucoup de bons jeux. Il y aura des jeux beaucoup, beaucoup qui ont été moyens et des jeux très décevants. Celui-ci, il en fait partie. Mais je l'avais revendu il y a 2 ans de ça. Parce que je ne voulais pas y retourner. Mais comme en ce moment, je suis un peu sur la vague de la chasse au succès, à part sur un autre jeu qui me prend pas mal de temps sur la One, donc je vous montrerai lequel c'est. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de finir pas mal de jeux à fond, parce que c'est vrai que je sais pas quand est-ce que le live de la 360 va finir. J'ai entendu dire 2017-2018, donc là on est en 2015, donc on a plus que 2-3 ans à faire. Puis après, à mon avis,
Le contenu en ligne sera bouclé, enfin, possible, je pense. Donc voilà, pour le petit pitch. Alors, il s'agit de Infernal, excusez-moi, Hell's Vengeance, pour 4 €. Donc pas terrible, c'est bien pour les succès, par contre, c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'il faut le faire 3 fois. Ensuite, donc, le prix a été effacé, mais bon, c'est pas grave. Donc 5 €, La Légende de Beowulf, le jeu officiel. Donc, je l'avais fait à l'époque, j'ai de très très vagues souvenirs sur ce jeu-là. À mon avis, ça m'a pas du tout marqué lorsque j'ai fait la première fois. Mais comme c'est un peu un beat'em all, je me suis dit pourquoi pas le refaire. Enfin, il était temps que je prenne ce jeu-là. Ça fait des années que je devais le prendre, étant fan des RPG depuis Mass Effect. J'avais entendu parler de ce jeu-là, c'est un titre exclusif à la 360. Il s'agit de Lost Odyssey pour 6 €. Voilà. Donc, on va bien voir ce que ça a donné. Mais c'est un tour par tour, hein. Ça revient dans les origines de Final Fantasy, bien entendu. Donc, on verra ce que ça va donner. Je sais pas ce que c'est, l'éditeur. Bah non, c'est même pas. L'éditeur, c'est Microsoft, mais les développeurs, c'est. On sait pas. Donc, alors je suis fan de ce genre de jeu-là, ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué à ce style de jeu-là. Et puis comme j'ai entendu dire que c'était assez simple à finir à 1000G, bon après il faut trouver le temps, parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé trop le temps. Donc il s'agit de NHL 2K7 pour 4 €, NHL 2K8 pour 4 € aussi, et NHL 2K10 pour 6 €. Donc il me manque encore le 6. Et le 6 et le 9. Mais bon, ils n'y étaient pas encore. Donc ça aussi, j'avais entendu parler, puis bien longtemps, on me dit que c'est des très très bons titres. Et franchement, ils sont même pris, bizarrement. C'est les mêmes développeurs. Et ouais, j'étais un peu sur le cul de les trouver. Parce qu'ils sont assez. C'est la première fois que je les vois en occasion. Même dans les Micromania, qu'ils ont un énorme stock, je les ai jamais vus. Pourtant, dans les Micromania, il y en a pas mal dans ma région. Puis là, j'ai réussi à les trouver dans le cache du Havre. Et voilà, il s'agit de Overlord 1 et Overlord 2. Très prochainement, il y a un troisième opus qui va sortir. Je sais pas s'il sort exclusivement sur PC ou il sort sur la next-gen, je sais pas. Mais ouais, moi, dit de ce style de jeu là sur le fait qu'on contrôle un style de démon et on a des sous-fifs qui sont des gobelins. Donc ça, d'après ce que j'ai entendu, ça fait beaucoup Pikmin. Voilà. Pour 5 €, je l'ai enfin retrouvé. Là il manque plus que le cinquième opus qui est sorti dernièrement au mois de janvier. Et donc j'ai réussi à retrouver Saints Row the Third pour 5 €. Donc c'est le meilleur titre que j'ai fait de cette série-là. Ils ont tellement fait un gros délire ce jeu-là. J'étais sur le cul, franchement. Tout ce qu'ils ont fait de oh, n'importe quoi. Non mais franchement c'était un très bon titre. Mais le problème c'est que après il y avait le 4 qui est sorti. On est dans une sorte de matrice et ça reprend un peu le délire du 3. Du 3, oui. Et franchement, le 4e opus c'était pas très bon. Mais celui-ci était quand même excellent et tous les petits clins d'œil qu'il y avait sur les divers types de jeux vidéo, voire même le cinéma, c'était quand même affolant. Voilà, j'ai enfin trouvé le dernier opus qui est sorti. Par contre, j'ai mis le prix, mais c'est un peu con parce qu'ils sont plus trop d'actualité. Il est sorti quand celui-ci? T'es sorti quand toi? Je sais pas, t'es sorti quand? Merde, je vois même pas la date. Bonsoir. Donc, il s'agit de Top Spin 4. Donc, j'ai le 2, le 3, il me reste plus que le premier qui était sur Xbox et le PS2, je crois. Donc, voilà pour 8 €. Par contre, c'est vrai que 8 € ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Parce que après c'est pas des jeux qu'on voit si souvent que ça. Et puis le dernier sur Top 60, enfin c'est fini, pardon. Pour 2,50 €, Tom Clancy Ghost Recon Unlimited Warfighter et non Warfight de Call of Duty.
Donc c'était un très bon titre. Je l'ai fait qu'une fois, mais c'est vrai que ça m'a. C'était assez particulier. J'ai quand même préféré les Ghost Recon Future Soldier. Et là, c'est vrai que c'était un TPS tactical, quoi, comme faisaient les Rainbow Six, sauf que Rainbow Six, c'est du FPS et non du TPS. Donc voilà. Et pour finir, on va aller sur. Alors, et puis le jeu en démat sur 360, c'est bien entendu Formule 1 2013 qui est sorti gratuitement pour les Gold. Donc voilà. Après, voilà, on va passer sur les deux derniers jeux qui sont sur la Xbox One. Donc le dernier, je vous en parlais grandement. Et donc là, je vais vous parler de celui-ci d'abord, avant, bien entendu. Donc il s'agit de la donne de Wolfenstein, le Nouvel Ordre et Wolfenstein The Old Blood. Alors, ça reprend à la virgule près le gameplay du Nouvel Ordre. Sauf que on se retrouve, c'est un préquel Nouvel Ordre, du Nouveau Order, du Nouvel Ordre, si vous voulez. Et voilà. Et franchement, bon, ça reprend les mêmes systèmes, sauf le même gameplay, si vous voulez. Et pour un add-on, c'est assez curieux, il ne vous coûtait que 20 euros. Et là, j'en suis à 5-6 heures, j'en suis qu'au chapitre 4. Et il y en a 9, d'après ce que j'ai entendu. C'est quand même pas mal. Pour un add-on, là, les développeurs sont pas foutus de notre gueule. Certes, ça reprend le gameplay du Nouvel Ordre. Ça me gêne pas, parce qu'il était quand même très fun, ce gameplay-là. Il était quand même très, très, très punchy, très, 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 très casse-cou. Et non. Bon, là, je peux pas trop en parler. Mais c'est quand même un très bon add-on, franchement, pour 10, 20 euros, excusez-moi. N'hésitez pas à le prendre. Surtout pour ceux qui n'ont pas compris le Nouvel Ordre. Ça, c'est un bon compromis pour ceux qui veulent connaître un peu l'histoire des avants du Nouvel Ordre. Voire même les vieux Wolfenstein. Le Return of the Castle, j'ai le Wolfenstein dernier, de 3.6 là. Et puis Wolfenstein 3D, excusez-moi. Ah, décidément, c'est pas évident de prononcer ces titres-là. Donc le dernier jeu. Donc si vous avez bien suivi mon intro, je vous ai fait une petite présentation vite fait, bien fait. Donc il s'agit bien entendu du jeu le plus attendu pour ma part sur la Xbox One de cette année, et puis je pense de cette génération-là, parce que le deuxième opus m'a mis une telle claque que j'étais impatient de faire ce troisième opus. S'agit bien entendu de Witcher The Wild Hunt, donc la traque sauvage en français. Et que dire de ce jeu-là? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est impressionnant. J'en suis à plus de, je veux dire, peut-être 25 ou 30 heures dessus. Tout ce qu'il y a à faire, mais c'est affolant, quoi. Les quêtes annexes, elles sont nombreuses. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles sont variées. Elles sont pas répétitives. Ça, c'est vraiment bien, quoi. C'est rare de voir dans un jeu vidéo des quêtes qui ne sont pas, qui se ressemblent pas, quoi. Et puis là, franchement, rien à dire. Tout est différent. Certes, après, bon, vous allez dire, ouais, mais faut tuer tel ou tel monstre. Mais après, vous pouvez le tuer de différentes façons. Et franchement, là, j'ai quand même pris une claque. Et encore, j'ai pas tout découvert. Il me reste encore une, je crois, trois îles encore à découvrir. Il y en a cinq. Oh! Putain, mais c'est géant, quoi, tout ce qu'ils ont fait. Et puis les décors, ils sont super variés. À chaque fois qu'on passe à une autre zone, bah, c'est différent, quoi. Tout ne se ressemble pas. Un coup, vous avez un pont. Un coup, vous avez un autre pont, mais un peu dégradé. Et non, non, franchement, c'est quand même pas mal. Moi qui ai adoré le 2 était très court. Je pense qu'il durait pas plus de 20 heures. Mais celui-ci, de ce que j'ai entendu, si vous faites un max de choses, vous en aurez pour plus de 200 heures de jeu. C'est impressionnant. Et par contre, ce qu'il faudrait pour ma part, c'est que je finisse avant que Batman arrive. Parce que ça, là, ça me prend un paquet de temps à faire. Du coup, vous avez dû bien remarquer sur ma chaîne que je fais
plus qu'un playthrough sur un jeu. Parce que celui-ci, ce Witcher 3, me prend un paquet de temps et je n'ai pas le temps de vous faire un autre jeu sur un autre playthrough. Donc là, je vais finir très prochainement le Army of Two, Quartier du Diable. Je vais en attaquer un autre, donc je ne sais pas lequel c'est. Je verrai bien dans ma collection ou le jeu que j'ai vraiment envie de faire. Mais au début, je voulais vous faire un playthrough sur Witcher 3, mais je me suis dit, ça va pas être possible parce que là, dans l'histoire principale. À chaque fois, il y a une quête annexe qui vient avec. Puis ça risque de durer super longtemps. Je sais pas, ça aurait peut-être fait plus de 70-80 vidéos. Et moi, pour ma part, c'est pas possible de pouvoir vous faire 80 vidéos sur un seul jeu. Je préfère nettement vous faire 7 playthroughs sur un jeu, 7 ou 10, comme. Ou même Wildwolfing, j'en ai fait 16. D'accord. Mais Witcher 3, ce sera pas possible. Il faut vraiment que je connaisse le jeu par cœur. Et pour vous faire un playthrough dessus, mais là ce sera pas possible. Au pire, regardez la chaîne de Bob Lennon, lui ça va être inondé de Witcher Radonf. Et puis vous avez la chaîne de EXVSK, mais lui ça va être pareil. Je crois qu'il va, au bout d'un moment, il va en avoir marre parce que là il va y avoir un paquet de temps dessus. Franchement, je préfère nettement vous montrer Witcher 2 que je connais quand même par cœur et ça sera peut-être moins long à vous montrer. Donc voilà, Witcher 3, ça viendra, mais une fois que j'aurai connu le jeu par cœur, franchement, pour vous montrer vraiment l'univers du jeu qui est vraiment énorme, franchement, ce jeu Heroic Fantasy, quand même, sacrément burné, quoi, franchement. Et puis le personnage principal, Geralt de Rive, excellent ce perso, franchement, il a un tel charisme qu'on vous voit pas si souvent dans le jeu vidéo, à part avec Nathan Drake. Nathan Drake aussi, il est franchement pas mauvais, Nathan Drake, mais Geralt de Rive, franchement, c'est un perso énorme. Là, j'ai revu dernièrement Leto, donc qui était l'assassin des rois. Donc après, au début de l'aventure, une fois que vous aurez retrouvé Yennefer, il y a un scribe qui vient vous parler, il vous dit, est-ce que vous avez bien tué Leto ou non? Donc moi j'ai répondu non. Certes, sur Witcher 2, je l'avais fini à bloc. Donc sur Witcher 2, je l'ai tué une fois et je l'ai pas tué. Donc je préférais ne pas le tuer, puis pour le découvrir. Et puis là depuis, je l'ai vu quand? Avant-hier ou ouais. Et par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'a pas gardé la même voix française. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce contre-rendu vide-grenier. Et puis Sacha Monceau. Donc je n'ai acheté que deux jeux au vide-grenier. Mais ce qui me fait chier dans les vide-greniers en ce moment, c'est les putains de revendeurs, quoi. Ils mettent des prix de fou, quoi. Là, les deux que j'ai pris là sur PS2, c'était aussi un revendeur. Je me suis dit pour 18 euros, c'est pas cher parce qu'une Infamous 2, vous devez y aller à peu près pour 12-13 euros. Et puis King Knight Contact, je crois à peu près 20 euros. Je dis, je suis gagnant dans tous les cas. Donc voilà, les comptes rendus, franchement, les vide-greniers, excusez-moi, c'est vraiment pas simple en ce moment. J'en ai visité 2-3 et j'ai trouvé que deux jeux et les gens ils vont vendre leur jeu pour pas mal de fric. D'ailleurs, j'ai même vu des personnes qui mettaient des FIFA à 10-15 euros, des vieux FIFA de 10 ou 12. Moi je les aurais mis à 1 euro pièce hein, parce que c'est plus trop d'actualité. Bon après si je peux en trouver des FIFA je les ferai mais pas plus d'un euro parce que ça vaut pas le coup hein. Mais moi je les ferai uniquement pour les succès pour compléter ma collection. Et pour finir avant de partir j'ai dépassé la barre symbolique des 211 jeux sur 360. Donc bien entendu je vous ferai une vidéo spéciale de 100 jeux. Par contre, je vais retirer 11 jeux, ceux que j'ai en double, et peut-être les mauvais. Je pense que vous retirez les mauvais jeux. Ou les jeux qui sont là, les nouveautés, peut-être. C'est pas trop utile. Par exemple, les NHL, ce sera peut-être pas super de vous les montrer. Inferno, alors Enemy Front, j'ai pas. Déjà que je me tape la honte de vous le montrer. Alien Colonial Marine, ouais, bon, je verrai. Tant voulu. Là, je vais tourner la vidéo FAQ, donc je ne sais pas si elle sera diffusée avant la vidéo compte rendu. Donc là, je tourne, on est le lundi 25 mai. Donc oui, j'ai pris 6 jours d'avance pour vous faire cette vidéo, parce que je n'ai pas l'intention d'acheter du jeu vidéo. J'en ai déjà 40, donc je me dis 40 jeux, c'est déjà pas mal.
Donc voilà. Donc la FAQ viendra. Ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que ça fait 3 semaines que j'ai balancé la news, que ce soit sur ma page Facebook ou sur ma chaîne, mais elle viendra. Donc je n'hésiterai pas à répondre à vos questions, qui sont pas cons, hein. C'est vrai que c'est des petites questions qui me gênent pas. Donc voilà. Donc voilà pour ma petite vidéo compte rendu plus achat mensuel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis que mes petites retrouvailles vous aura bien plu, sauf les jeux de merde, bien entendu. Mais bon, pour être collectionneur, faut aussi choisir de la merde, bien entendu. De la qualité et de la merde aussi. Et peut-être que ça vaudra de l'or plus tard. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge si vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne YouTube. Je vous dis ciao, ciao!